Hello, J-1 avant le départ en road trip. Donc la voiture est prête, il reste plus que le vélo à mettre dedans. Sinon j'ai tout préparé. Attention ouverture. C'est la voiture qui parle. Hop, voilà à quoi ça ressemble. Chaise de camping, ballon pour m'occuper, sac de vêtements, ma slackline, des anneaux ici à l'avant, sac de street. Et là, tous mes essentiels, tout pour survivre. Donc, je pense que ça va être sympa. Yo, allez, c'est le départ. Vendredi 12 août, il est 8h26. Direction l'île d'Oléron, première destination. Après, on verra. Je suis éclaté. Voilà. Moi, je suis arrivé à l'île d'Oléron. Petit casse-croûte que je mange. Il est 13h, il fait beau, je vais aller sur la plage. Du coup, je suis garé à un endroit, je sais pas du tout si je peux dormir là. On va voir si je me trouve un petit spot plus sympa pour dormir. Et passer la soirée, ça peut être sympa. Yo, je me suis baigné un petit peu, là, l'eau elle est pas mal. Faut que je fasse ma séance de street aujourd'hui. J'ai pris de quoi m'entraîner. Et faut que je fasse les courses pour manger. Et aussi, il faut que je trouve un moyen de charger mon téléphone. Parce que je filme, du coup, là, j'en utilise. Et peut-être que j'en aurais plus. Mais sinon, tout se passe bien. Pour l'instant, ça va. Bon, les amis. Fin de la première journée du road trip. Journée plutôt cool, j'ai pas fait grand chose. Après, on va s'ennuyer, on va dire. Savoir profiter des choses toutes simples. Regardez-moi ce beau beau coucher de soleil derrière. Donc voilà, on apprend à profiter des petites choses et du coup d'utiliser au moins son téléphone. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pas beaucoup de batterie, j'ai pas de batterie externe. Et du coup, bah, pour charger mon téléphone, c'est la merde. Genre, tout à l'heure, je suis dans un bar pour charger avec un chargeur. Donc voilà. On termine avec ce plan. Bon, jour 2. Il fait moins beau qu'hier, hein, ça c'est sûr. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir. Par contre, on en parle du plastique, du plastique. Oh, y'a quoi? Je vous prends un chocolat. Plastique? Ouais, j'ai trop bien dormi. Ouais, c'est incroyable, la nuit était trop bien. J'aurais dû dormir à plus de 8h, plus de 9h. Je me suis fait réveiller par des Espagnols. T'avais un chien qui gueulait. Stop de wish. Mais là-bas, j'avais un bras au-dessus. Un tout doux. Ouais. Et du coup, je dormais en diagonale. Et ça passait nickel. J'étais pas, j'ai entendu complètement, mais c'était vraiment confort. Hop. Donc, objectif de la journée, trouver un endroit où charger mon téléphone parce que j'ai 20% de batterie. Une fois que j'ai fait ça, direction je pense Rochefort. Donc c'est pas complètement la mer, mais c'est pas grave, j'irai soit le soir soit le lendemain pour aller à La Rochelle. Et après on verra. Donc la direction charger mon téléphone. Bon bah je suis un peu dans les bouchons à la sortie d'Oléron. C'était un peu évident. Du coup, je suis content, mon téléphone il charge en fait avec la voiture. Genre, je sais pas pourquoi hier il restait stagne, tu vois, ça bougeait pas. Ça restait stagne. Oh, c'est un malade. Le mec il a crié. Donc là, je me fais chier parce qu'on est le bouchon. Ça avance un peu quand même. Je suis en deuxième. On va jouer à un jeu. On va jouer au premier qui rigole, il perd. Dites-moi en commentaire si vous avez rigolé au jeu là. S'il vous plaît. Tout se passe bien. Je suis en train de m'entraîner un peu. Je trouve un parc de street qui est juste là. Voilà. Et juste derrière. Hop. Un petit skatepark. Donc en vrai c'est carré, je m'entraîne un petit peu. J'essaie de faire quelques plans, d'expliquer un peu ma séance. Donc un peu de push. Hier j'ai fait un peu de front, donc je calme le dos. Un peu de push. Donc toujours pour améliorer l'handstand push-up, le but c'est que je sois à l'aise. Donc je travaille un petit peu d'isométrique, un peu d'excentrique toujours dessus.
Donc j'ai pas beaucoup de matos, bah, de toute façon il n'y a pas besoin de matos, j'ai juste mes parallettes. Mais sinon ça se fait bien, je vous mets quelques plans. Hop, c'est la première fois que je vois ça. C'est une machine bah, des parcs en libre quoi. Mais tu peux gérer en fait l'intensité. Donc là tu vois c'est un chest press. Et tu peux gérer tac, l'intensité ici. Plus dur, plus facile, stylé. Et là pareil c'est quoi? Ça c'est un hack squat. Donc tu mets en dessous et puis là pareil tu peux gérer l'intensité. C'est stylé. Et ça bah c'est de la merde. Mais c'est là quand même. Et chose que j'ai pas dite et qui va peut-être prendre son importance aujourd'hui, c'est que j'ai pas pris de douche hier. J'ai pas pris de douche. Enfin, du coup j'ai rien trouvé à part de l'eau, je me suis mis sur les cheveux avec du shampoing, je me suis fait un shampoing, un peu sur les pieds. Mais sinon je sens là que je suis dégueulasse quoi. Hop, bon j'ai trouvé un petit spot à Leclerc. Du coup bah ce midi c'est sandwich triangle, un peu de chips et une nectarine. Mais là je suis bien, je vais rester je pense une petite heure. Histoire bah, de m'occuper. Merde. Histoire de m'occuper et chercher le téléphone. Et bah après il faudra que je trouve un endroit où dormir. Donc je cherche un petit parking sympa. Que je prends un poste, un petit coin sympa, un petit parc je pense. Et puis on verra. Bah, du coup je me suis fait un petit kiff. Je me suis fait le musée d'aéronautique de Rochefort. Donc en vrai trop intéressant. Voilà, moi j'y connaissais rien. J'ai vu ça sur Google Maps en voulant chercher un endroit où dormir. Donc j'ai fait pourquoi pas. Et c'est sympa, ouais, ça a duré 2 heures, j'ai pris quelques photos, quelques vidéos, je vous montre ça vite fait. Mais ça permet de changer, de faire des trucs que j'aurais jamais fait autrement. Donc c'est cool, voilà. Donc la direction, je vais trouver où dormir vers La Rochelle, donc j'ai dû me rapprocher un peu. Et voilà, ça va être cool. Hop, bon j'ai trouvé le lieu où dormir. Il n'y a personne, le coin est nickel. Là-bas, je revois, il y a un parc de street. Donc là, l'objectif, c'est que j'ai sorti le vélo. Et c'est que j'aille jusqu'à la mer en vélo avec mon sac. Et puis, je me ravitaille là-bas au mieux. Donc voilà, let's go. Et que je trouve une douche aussi. Hop. Bon, bah, y a des gens qui m'ont dit que je pouvais me doucher à une plage. La plage est minime. Qui était près de là où j'étais stationné. Donc là, j'y suis. Il y a un peu de monde quoi. Donc les douches doivent être là-bas. Bon, moi je suis content, j'ai un endroit où me doucher. J'ai de l'eau. C'est une bonne chose. Mais moi je suis trop bien. Hein. Des pistes cyclables, je suis assez que comme ça. Ça allonge toute la mer. C'est une dinguerie. Donc je continue à me balader. De toute façon, ma douche je la prendrai pas tout de suite. J'ai le temps. Bon bah spot du soir pour manger, j'ai croque monsieur, j'ai un sandwich poulet, crudité. Bon là je suis trop content, je suis calé pour dormir ce soir. Donc petite installation cool, petite slackline devant la voiture, ballon de foot, chaise de camping et l'auto qui est prête pour ce soir à dodo. Mais j'ai changé de spot pour dormir. Oh là là, attention, anecdote, ça commence. Du coup, tout à l'heure, spot de ouf, j'étais trop content et tout. Sauf qu'il y a un mec bizarre qui va me voir et qui me dit: ouais, tu fumes. Et il me pose plein de questions du style: comment tu connais l'endroit et tout. Le parking, alors que le parking a été ouvert à tous, juste à côté du parc. Voilà, vous avez vu les images. Et il me posait plein de questions bizarres et tout. Et lui, je fais: oh là là. Je sentais pas trop. Donc il m'a demandé si je passais la nuit là. Parce que du coup il avait vu la voiture, le setup en fait. Et je lui ai fait non, je vais bouger et tout. Le mec trop bizarre. Du coup bah dès qu'il est parti, je suis taillé. Voilà, jour 2, je suis très content. Voilà, j'arrive à me ressourcer, on va dire, à être tout seul, à vivre tout seul, à profiter des petites choses et surtout à être vraiment moins sur les réseaux. Donc j'espère que je vais bien dormir cette nuit, que tout va bien se passer. Et je vous tiens en jus. On se retrouve demain matin.
Bisous. Jour 3, j'ai bien dormi. Il est 10h. J'ai dormi genre trop longtemps. Et par contre, il a plu. Il a plu de ouf cette nuit. Genre, il y a eu de l'orage, de la grosse pluie vers minuit. Genre, vraiment. En fait, je dormais là-bas. Je dormais sur le parking là. Et il y avait ça juste à côté. Du coup, bah, la pluie, au lieu que ça tape sur la voiture, se tapait là-dessus. Ça, c'est de la bonne diète. Pain au chocolat, orangina, salade pour ce soir, wrap poulet pour cet après-midi. Destination, je suis près de la Tranche-sur-Mer, donc j'ai trouvé un parking qui est plutôt sympa. Voilà. Il y a juste la mer qui est derrière. Donc il y a plein de vannes comme moi, genre des voitures aménagées qui sont là. Donc peut-être passer la nuit ici. Je pense que je vais peut-être sortir le vélo et j'essaie d'aller un peu en ville droite et gauche. Là, je vais me faire un petit tour à la plage. Parce qu'il paraît en plus il y a des douches publiques. Donc ça c'est cool. Voilà, allez, let's go. Juste marcher comme ça, ouais, ça fait du bien. Vous avez vu, j'ai vu des voiles là. Je sais pas comment ça s'appelle, bateau à voile sur le sable. C'est stylé. Ça a l'air dur parce qu'ils galèrent tous à le faire démarrer leur truc. Donc ça a l'air pas évident. Mais bon, comme vous l'entendez, il y a du vent, donc ça doit être sympa quand tu comprends le truc. Ça va vraiment envoyer. Donc là, je cherche un endroit où faire un peu de front, un peu de handstand, tranquille, pas trop loin de la mer. Donc j'ai fait. Genre une demi-heure de vélo, un peu plus pour trouver un spot que j'ai jamais trouvé. Donc là je cherche moi-même dans la nature. S'il y a des bois, juste un endroit où faire du front, il faut pas grand chose. Et pour mes équilibres, bah, j'ai mes parallettes. Donc j'ai trouvé un endroit où faire du street. Un petit arbre, un petit endroit où ranger son vélo. Et on est pas trop mal, je vais faire un peu de front, un peu d'équilibre. Et puis voilà, je vais filmer quelques plans et puis je mets ça avec un peu de musique. Bon, j'ai trouvé un petit spot pour dormir ce soir. Une toute petite ville, pas très loin. Du coup, je suis pas très loin des Sables d'Olonne. J'ai trouvé un petit lac. Comme par hasard, on le voit là-bas, il y a des gosses. Des barres de traction. Pour faire des pull-up. Il y a une petite barre de traction que je cherchais tout à l'heure, je les trouve pas. Et dès que je les cherche pas, je les trouve. Non, donc voilà, un petit spot sympa pour passer la soirée, 19h20. Je vais pouvoir manger près du lac. Bah, il fait pas chaud chaud, hein, je vais pas vous mentir. Il y a un peu de vent, il fait froid, puis il fait moche, mais c'est cool. Bon bah il fait moche, il fait froid, du coup je suis à l'intérieur. Non, en vrai j'ai profité de ce petit moment pour vous filmer comment j'ai installé ça, parce qu'en fait je ne sais même pas filmer comment j'ai installé la voiture et tout. Hop, le matelas, il n'y a pas la place, il n'y a pas la place. Donc en fait j'ai rabattu les sièges arrière, un accoudoir. Accoudoir là. Donc en fait même si je baisse mes sièges avant, en fait mon matelas
il sera toujours comme ça. Après, je me suis fait, j'ai 3 sacs en tout. Donc là, j'ai un sac pour tout, où j'ai tout l'essentiel dedans, la bouffe, les livres, le PQ, tout ce qui m'est nécessaire. Un sac à vêtements, le sac pour les vêtements sales, et mon autre sac que je prends tout le temps pour mettre le matos quand je pars, quand je bouge droite et gauche. Ce qui prend encore plus de place, le vélo. Donc à chaque fois, pour ceux qui se demandent où je le mets la nuit, en fait, je le laisse toujours en extérieur. En fait, je démonte la roue avant que je mets à l'avant de la voiture et je l'attache quelque part. Donc là, je vais pas le laisser ici. Souvent, je le mets dans des petits endroits histoire qu'il soit caché. C'est peut-être pas la solution la plus intelligente, mais pour 3 nuits, on va dire que ça dépanne et c'est bien pratique. Donc après, comment je fais la nuit pour cacher les fenêtres? En fait, j'installe tac tout là des serviettes. En fait, après, je referme avec les vitres. Là, pareil, j'ai une grande serviette que je mets derrière et comme ça, bah, je suis dans le noir. Complet. Et ça m'a pas gêné les 2 nuits, je pense que ça va pas me gêner non plus. Bon appétito. Putain, ça a vraiment pas l'air bon. Des pâtes, mozza, tomates, salade, c'est bon. Hop, allez, dernière journée. La nuit s'est bien passée. Je me suis réveillé vers 9h. Donc on est pas trop mal. Ici direction les Sables d'Olonne. Donc aujourd'hui j'ai retrouvé mon grand frère qui fait la même chose que moi en fait, qui dort dans sa voiture. Sauf que lui il fait ça sur le plus long terme et que lui il part de Bretagne pour descendre vers Biarritz. Donc en fait il fait complètement le chemin opposé à moi. Donc en fait on se rejoint dans son dans nos périples. Ce qui est bien avec ce petit road trip, c'est que je vois que des paysages différents. Pourtant je bouge pas énormément, mais je vois que des plages différentes et ça c'est sympa. Là je suis au Sables d'Olonne et là ça change un petit peu hein. Plage de cailloux. Alors, vraiment la montée en force, en équilibre, c'est vraiment le truc ultime. Alors du coup tu peux le tenir à peu près partout. Si t'arrives à presse, c'est tout bon. Comme tout bon streeteux qui se respecte, toujours faire les jambes. Leg day, every day, because c'est important, hop, d'avoir des jambes puissantes. Allez, je vous fais un petit plan. Petit plan sympa là. J'ai retrouvé le bro, il est là, avec la Dacia mobile. Voici la Dacia mobile, matelas gonflable. Oh mais elle est énorme. Oui, c'est vrai que ça met que 2 minutes à gonfler. Il fait quand même. Mama. On cherche de la bouffe, manger. Regardez comme il est beau. Donc là je crois qu'il y a de la bouffe, genre là-bas, là où je pointe mon bout de bois. Let's go. Bon bah c'est une fin de road trip. 3 heures de route. Donc ça va, vers 19h30, 20h, je suis arrivé, donc let's go. Donc petit bilan de mon road trip, je fais ça une journée après être arrivé. Donc très content de l'avoir fait, voilà, c'est une idée qui me trottait aux têtes depuis longtemps. Donc je suis très content d'avoir pu mettre ça en place. C'était pas très compliqué, mais voilà, fallait le faire, donc j'ai osé et je suis très content. Donc comme j'ai répété tout le long du vlog, et bah, j'ai appris à profiter des choses toutes simples qu'on a autour de soi et voilà, apprendre également à être seul, à être en autonomie, pouvoir profiter des choses tout seul et se rendre compte que c'est possible et que c'est bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager. En tout cas moi c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines qui vont être aussi bien. Bisous.